Coucou les amis, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube Alexandre Mostrock, Oracle et Divination. Et aujourd'hui, on va faire un tirage, on va travailler avec les saints. J'ai senti que certains d'entre vous étaient en quête de réponse, qu'il y avait quelque chose qui était en train de leur travailler. Et donc, j'ai été guidé, inspiré à créer un tirage pour vous. Et en utilisant, voilà, les saints. Les énergies que j'ai pu distinguer sont ces trois saints qui sont devant vous. Donc, Sainte Rita, je vous montre pour le tirage numéro 1. Saint Padre Pio pour le tirage numéro 2. Et Sainte Thérèse de Lisieux pour le tirage numéro 3. Si vous avez un de ces saints qui est votre saint protecteur ou votre saint favori, n'hésitez surtout pas à le choisir pour ce tirage. D'accord? N'hésitez pas à aller vers lui. Vous pouvez dire maintenant lui adresser une petite prière pour que, voilà, pour qu'il vous exauce, pour qu'il vous donne une réponse. Pour ceux dont la première fois vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, venez rejoindre la famille spirituelle en cliquant juste en bas de l'écran pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous ai mis dans la barre de description de la vidéo le minutage pour la vidéo. Vous pouvez aller directement vers les saints qui vous attirent le plus et obtenir ainsi, voilà, des réponses. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup pour votre amour et j'espère que les saints viendront à votre aide et vous permettre d'avancer et voilà et de trouver le chemin vers la sérénité, vers la lumière. Bienvenue à vous qui avez choisi de travailler avec Sainte Rita, celle que l'on nomme la sainte des causes désespérées. Nous avons célébré sa fête et sa neuvaine il n'y a pas si longtemps sur cette chaîne. Et si vous êtes inspiré à faire une neuvaine à Sainte Rita, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo qu'on a publiée sur la chaîne à ce propos. D'accord? On va d'abord commencer par le message fort, le message que Sainte Rita veut partager avec vous. Actuellement, ce que vous devez prendre conscience. Quel est le message que Sainte Rita veut vous faire parvenir? Donc, Sainte Rita veut vous accorder le don de la paix. Vous êtes actuellement dans une situation où vous n'êtes pas du tout apaisé, où les problèmes, la souffrance, la nostalgie, le chagrin a pris un peu possession de votre vie. Et avec cette carte-là, le don de la paix, Sainte Rita veut vous apporter le soulagement. Elle veut vous apporter l'apaisement. Et elle veut aussi vous apporter le pardon. Peut-être que vous vous en voulez un petit peu d'une situation qui s'est produite il y a pas longtemps. Et cette situation peut-être vous a causé beaucoup, beaucoup de chagrin. Et peut-être que vous avez été déçu par le résultat de quelque chose. Mais là, on veut vraiment vous donner la paix de l'âme, la paix du cœur. Et vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Avec cette carte-là, Sainte Rita vous dit que la vie est un cadeau, d'accord? Qu'il faut préférer d'être heureux que d'être prostré dans la tristesse. Donc, elle voit bien que récemment dans votre vie, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos, et que les problèmes et les tribulations par où vous êtes passé vous ont vraiment mis dans un état de dépression, un état de dépendance. Si vous ne le savez pas, Sainte Rita est la sainte justement que l'on prie quand on est violenté, quand on est harcelé,
quand on est torturé par une autre personne, principalement par un masculin. Et vous êtes peut-être dans cette énergie-là, que sentimentalement, vous avez l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas d'ouverture, que les gens ne sont pas vraiment intéressés pour se lancer avec vous. Mais Sainte Rita vous dit que c'est faisable. Vous avez droit, vous aussi, à votre part de bonheur. Vous avez, vous aussi, droit à votre part de lumière. Et elle veut vraiment vous faire voir le bon côté des choses. Pour ceux qui ont prié, pour ceux qui ont demandé son intercession, elle est en train de mettre actuellement votre vie un petit peu en ordre. D'accord? Elle vous a peut-être alerté aussi sur le comportement et l'attitude de certaines personnes dans votre vie. Voyons voir quel message elle veut vous faire passer, si elle est votre guide spirituel et votre saint protecteur. Nous avons la lignée ancestrale, l'intuition et le ressenti, et la joie de vivre. Encore une fois, elle veut mettre l'accent sur le fait que vous avez droit au bonheur et que la joie de vivre fait partie de votre être et de vous-même, et que vous devriez faire plus confiance à votre ressenti, faire plus confiance à vos intuitions. J'ai l'impression que vous avez un don de famille, un don pour, pardon, pour pressentir et voir un petit peu les choses. Et c'est souvent peut-être un don que vous mettez en seconde place ou en dernière place. Et là, on veut vous montrer justement que vous êtes capable, vous, comment dire, de ressentir les choses et de voir les choses. Et vous devriez vous faire plus confiance sur ces ressentis et sur ces pressentiments. Votre intuition vous mènera vers le bonheur. J'ai l'impression que les saints vous parlent à travers votre intuition, à travers votre ressenti, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, il y a le ressenti qui ressort ici. Donc, ces saints sont là et ils veulent vous faire ressentir leur présence et leur énergie. Surtout si ça concerne le côté sentimental et le côté amoureux. OK? On va voir maintenant avec le petit Lenormand quels sont les autres messages que l'on veut vous faire parvenir, que les saints, que Sainte Rita veut vous faire parvenir. Alors, ici, nous avons oh, la perte d'un ami. OK. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Cette personne, vous l'avez peut-être perdue à travers un décès, mais vous pouvez aussi l'avoir perdue en tant que qu'amie, qu'elle ne fait plus partie de votre vie, elle ne fait plus partie de votre cercle, elle ne fait plus partie de votre vision, donc loin des yeux, loin du cœur, comme il s'est montré ici. Et peut-être que vous vous êtes quitté un petit peu, pas en bon terme, d'accord? Et vous vous demandez, est-ce que je vais avoir des nouvelles de cette personne. Est-ce que je vais en entendre parler? Et là, on vous dit, tout à fait, vous allez en entendre parler très bientôt. D'accord? C'est une personne qui va vous recontacter, une personne qui va reprendre un lien avec vous. Et peut-être, pourquoi pas, ce serait une façon de s'expliquer sur certaines choses qui se sont passées autour de vous. Enfin, dans votre relation. Alors, je fais de la place. On n'a pas énormément de place sur cette table. Alors, on va faire le carré de 9. On va dévoiler les cartes. Alors, on me dit qu'il y a une brise de sérénité qui vole actuellement dans votre maison. D'accord? J'ai l'impression que vous avez peut-être brûlé de l'encens, justement, l'encens de Sainte Rita ou la prière que vous avez faite pour dégager votre maison d'énergie stagnante, d'énergie compliquée.
Donc, continuer à faire ce travail-là, c'est pas en un seul passage que les choses vont s'arranger. Il faut garder, voilà, une action soutenue, donc repasser plusieurs fois, refaites bien les choses. Et pour ceux qui attendent des réponses par rapport à un logement, la réponse est là. Vous allez l'obtenir. D'accord? Pour ceux qui ont prié pour une relation, malheureusement, on voit ici que il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Peut-être la relation se termine pour donner la place à autre chose. Peut-être que vous avez demandé à ce qu'on éloigne de vous des personnes toxiques, les personnes négatives. Là, on vous dit que vous avez fait les demandes, vous avez prié, vous avez demandé l'aide du ciel. Pour le moment, vous ne voyez pas trop grand-chose avancer. Au contraire, vous avez l'impression que vous pataugez un petit peu dans la semoule, comme on dit, que vous tournez en rond, que vous êtes dans des sables mouvants. Mais on vous dit, voilà, ici, il y a vraiment un décollage qui se fait. Et avec le cercueil, on comprend bien qu'il y a la fin de quelque chose qui arrive pour vous. Alors, concernant votre personne, vous allez mettre de l'ordre dans vos relations amicales, les personnes avec qui vous avez une affection particulière, d'accord? Ici, on voit que vous n'allez plus laisser les gens marcher sur vos pieds, c'est très bien. Je vois aussi qu'il y a plus de temps et plus vous vous consacrez un petit peu plus à sortir, à rencontrer des gens. Sur l'aspect financier, il y a une amélioration. D'accord? Pour le travail aussi, il y a une stabilisation. Vous avez trois cartes de travail à la suite, l'encre, le renard ainsi que les abeilles. Et au niveau de la forme, il faudra bien sûr travailler sur votre bonne humeur, sur votre état d'esprit. C'est ce qui va vous permettre la joie de vivre encore une fois et le remède qui vous permettra de sortir de tout cela. Et vous allez bien sûr pouvoir bannir avec la faux et le vaisseau les énergies négatives. Et ici, en fin de jeu, on voit qu'il y a une amélioration dans vos relations, une connexion affective avec une ou plusieurs personnes. D'accord? Vos prières sont entendues. Il y a ici l'assurance d'une gratitude. Et les guides spirituels vous envoient des messages, ils vous envoient des messages positifs, de faire confiance à votre cœur, de faire confiance à votre intuition, et cela va vous permettre d'avancer. Voyons voir maintenant avec le jeu de 32 ce qu'il en est pour vous. Les jeux, au fait, ils permettent de donner voix à cette connexion que vous avez avec Sainte Rita. C'est comme si que Sainte Rita utilisait un langage codé pour justement vous atteindre, pour justement vous faire comprendre ce qu'il en est. Alors, voyons voir de quoi il s'agit pour vous avec le jeu de 32 et quelles sont les prédictions, les choses qui vont arriver au plus vite. Alors, on fait une coupe. Nous avons le 7 de trèfle et la dame de trèfle. Donc, la pensée pour une femme au teint et aux cheveux foncés. D'accord? On voit ici le roi de pique et la dame de pique renversée. Donc, on voit ici qu'il y a dans votre pensée peut-être un désaccord. Ça peut être un désaccord juridique, ça peut aussi être un désaccord entre vous et une tierce personne. En tout cas, il y a deux femmes dans votre, vous peut-être y compris, qui sont en train de se tirailler un petit peu. Ici, la pensée, elle est renversée, elle annonce la déprime, la tension et les choses pas très joyeuses. D'accord? Donc, voyons voir ce qu'il en est pour vous. J'ai toutes les cartes. J'adore le jeu de 32. C'est mon premier oracle.
Parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces jeux que l'on a maintenant. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Après, j'ai découvert le petit Lenormand. Alors, on a ici de la joie concernant la maison. Donc, vous pourrez vous attendre à recevoir de bonnes nouvelles, surtout venant de la famille proche, donc des enfants, des petits-enfants. Ça peut être aussi le démarrage pour quelque chose de positif en amour, donc une nouvelle relation, quelque chose qui prend naissance, quelque chose qui est vraiment positif. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez vite. On vous demande même peut-être d'ouvrir vos yeux sur cette perspective. Alors, 9 de trèfle et le 8 de carreau debout. Alors, on vous demande de fouiller un petit peu, d'analyser un petit peu les choses. Et ça confirme peut-être vraiment votre intuition là, hein, que vous avez quelqu'un à côté de vous qui s'intéresse à vous. Et au niveau du travail aussi, il y a des confirmations, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Dans votre pensée, il y a une dame de cœur renversée, donc ça peut être vous, comme une femme qui a actuellement qui est un petit peu tourmentée, qui est un petit peu dans la déprime. Ça peut montrer aussi que votre joie de vivre a besoin d'être restaurée. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans tous les jeux qu'on a utilisés. C'est un thème qui ressort pour vous. Concernant les finances, il y a certains blocages qui sont annoncés. Avec le roi de pique, on a besoin de mettre de l'ordre dans les finances. On a besoin, voilà, d'être au point dans notre budget et de rester strict dans la gestion de ce patrimoine. Pour vous-même, le consultant ou la consultante, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, mais qui arrivent un petit peu retardés. Le valet de pique, le valet de carreau, pardon, est une carte qui est renversée. Ici, on montre bien que vous allez avoir des nouvelles d'un homme brun ou aux cheveux ou à la peau foncée. Cet homme va se présenter devant vous et il apporte avec lui du changement avec le 10 de carreau. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'est pas de votre région, qui n'est pas de votre ville. Cette personne-là, elle apporte un changement avec lui. Et tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui bougent, mais vous ne voyez peut-être pas comment ça bouge, dans quel sens ça bouge. Et là, on veut vraiment vous inciter à ouvrir les yeux sur cette situation. La guidance finale pour ce tirage pour vous, quel est le dernier message qui ressort pour vous? Alors, ceci demande réflexion et expertise. Donc, tout ce qui vous a été dit aujourd'hui, d'accord, à travers cette guidance, vous avez besoin, voilà, de bien réfléchir, de bien analyser. Regardez votre tirage encore une fois ou sauvegardez-la dans votre playlist et revenez la revoir d'ici quelques temps et elle va vraiment vous parler, elle va vraiment vous révéler peut-être autre chose sur votre situation. Donc, pour ceux qui ont choisi Sainte Rita, sainte des causes impossibles, sachez que rien n'est impossible dans la vie si on met les bonnes énergies autour de soi et qu'on ait foi en nous-mêmes et dans le divin, rien de mal ne peut vous arriver. Donc, ayez confiance, continuez à croire dans vos prières et gardez espoir et la bonne humeur et la positive attitude. Merci pour ceux qui nous laissent, qui ont choisi juste ce tirage-là, mais je conseille toujours aux autres personnes de continuer à regarder les autres tirages, car peut-être vous aurez des compléments d'information dans le tirage que vous n'avez pas choisi. D'accord? Donc, avant de partir, merci de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le Padre Pio. Bienvenue à vous qui avez choisi le Saint Padre Pio pour votre tirage. C'est un saint qui est très populaire en Italie. De toute façon, tous les saints en Italie sont populaires. C'est ce que j'ai adoré avec ce pays, parce que j'ai une dévotion particulière aux saints et j'admire beaucoup. Et je regarde beaucoup leur histoire. J'aime bien regarder cette évolution, comment un humain devient voilà un saint, quel est son parcours, quelle est son expérience. Il y a beaucoup de similitudes
que je retrouve dans ces parcours-là. Donc, Padre Pio avait le pouvoir de sonder les âmes. Donc, il avait, quand il regardait quelqu'un, il pouvait instinctivement ressentir, voir les choses. Rien ne pouvait être caché à ses yeux et il parlait beaucoup aux anges et l'ange gardien des personnes qui venaient le voir, le consulter, lui rapportait, voilà, tout ce qui s'était passé, les messages importants. Donc, si vous l'avez choisi, c'est que peut-être actuellement, vous êtes dans une grande connexion angélique et que les anges vous envoient des signes, les anges vous envoient plein de messages, peut-être que vous voyez plein de chiffres, 11, 11, 444, 1, 2, 3, 4, des chiffres répétitifs et des séquences assez bizarres sur les tickets de caisse, les plaques d'immatriculation, sur les adresses, sur les boîtes aux lettres. Sachez que tout cela, les anges utilisent pour capter notre attention parce qu'ils ont des messages pour nous. Voyons voir quel est le message que Padre Pio veut vous envoyer. Quel est ce message qu'il veut vous faire parvenir? Alors, le message que vous avez, c'est l'accompagnement. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul dans cet univers magnifique, dans cette création du divin. Vous n'êtes jamais seul, les amis. Vous êtes accompagné d'anges, accompagné de guides spirituels. Vous êtes accompagné de saints. Les saints sont eux-mêmes des guides spirituels. D'accord? Donc, sachez que Padre Pio vous encourage à faire ce qui est juste. D'accord? Et il vous accompagne dans votre cheminement. Il vous accompagne dans votre avancée, qu'il soit spirituel, qu'il soit tout simplement humain, que vous le sachiez ou non. Voilà, Padre Pio est avec vous. Peut-être que vous ne l'avez jamais invoqué, vous n'avez jamais connu son histoire, mais peut-être qu'il est avec vous parce que quelqu'un de votre famille a fait une prière et qui a demandé à ce que vous soyez protégé, à ce que vous soyez dans les bonnes énergies. Et cela a contribué à sa présence, à son accompagnement avec vous. En tout cas, sachez que vous êtes protégé et que vous êtes aimé au-delà de toute mesure et que peu importe les difficultés que vous rencontrez, vous êtes accompagné par ce saint. D'accord? Il veut vous apporter le soulagement. Peut-être que vous êtes une personne malade, une personne dans une situation difficile ou que vous avez du mal à aller vers un nouveau départ. D'accord? Et Padre Pio vous dit, la vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. D'accord? Et faire ce qui est juste vous permet déjà de tourner la page et d'avancer, d'aller vers un nouveau cycle. D'accord? Et c'est dans ce changement-là qu'il veut vous accompagner, qu'il veut vous guider vers la sérénité, vers un apaisement total. Donc là, il y a des choix et des décisions que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre prochainement. Et ces décisions auront un impact sur votre devenir, sur votre parcours. Voyez? Et tant que vous ne serez pas soulagé, tant que vous n'allez pas déposer votre croix, tant que vous n'allez pas arrêter de vous autoflageller, il sera impossible pour vous de voir le chemin, de faire les décisions qui s'imposent et d'aller de l'avant. D'accord? Cette carte-là me montre que rien n'arrive par hasard. Si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Quelque chose vous a poussé vers son visionnage. Quelque chose vous a interpellé. Quelque chose, là, même quand je vous parle, résonne avec vous. Donc, il n'y a pas d'hasard. D'accord? Il n'y a pas d'hasard. Il y a vraiment quelque chose qui est orchestré par le ciel et Padre Pio est magnifique quand il s'agit, voilà, d'orchestrer et de, comment dire, et de faire bouger les choses. Voyons voir quel autre message il veut vous faire parvenir. Alors, on a ici, encore une fois, on ne peut pas inventer ces histoires-là. Regardez sur cette carte, nous avons tourné la page dans la carte du soulagement. Et ici, vous avez
encore une fois, tourner la page. Il est temps de rompre avec le passé. La prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que, c'est un peu la combinaison de ces deux cartes-là, la prochaine porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé celle du passé. Maintenant que vous savez tout, il est temps de faire le travail nécessaire pour avancer. Donc là, vous comprenez bien, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, c'est même miraculeux, je dirais, que deux cartes qui disent la même chose de deux jeux différents et qui ont deux thèmes différents se rencontrent pour vous donner le même message. D'accord? Le même message. Le même message pour avancer. Le même message pour aller de l'avant. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de, comment dire, n'ayez pas peur de vous connecter à l'énergie du divin et à leur demander à ce que vous soyez, voilà, comment dire, connecté avec eux. Alors, prochain message qu'on a, un nouveau jour, une nouvelle page, une nouvelle histoire. Encore une fois, histoire de renouveau, histoire d'avancer. Et ici, avec la carte des cycles et des schémas répétitifs, on comprend bien qu'il est temps de lâcher l'affaire, qu'il est temps de se laisser porter, qu'il est temps de faire ce qu'il y a à faire, de faire les bons choix, de prendre les décisions qui s'imposent pour aller de l'avant. D'accord? Donc là, vous comprenez bien qu'il y a une énergie assez forte du Padre Pio qui vous entoure. Alors, voyons voir maintenant avec le petit Lenormand ce que les cartes, ce que Padre Pio veut vous envoyer comme message à travers ces cartes-là. Donc, si vous avez des questions, des interrogations lors de ces tirages, n'hésitez pas à les formuler dans votre cœur, sinon à voix basse, et vous allez toujours, comme là, avoir une réponse et à la chose que vous étiez en train de penser, à la chose que vous étiez en train de réfléchir. Vous avez un oui, d'accord? Vous avez un oui, c'est quelque chose que vous arrivez à obtenir, c'est quelque chose qui est à la portée de votre main, qui est dans votre capacité, donc n'ayez pas peur. Alors, on va d'abord faire une coupe. Et nous avons la maison et nous avons les abeilles. Alors ici, on voit que, il y a un besoin ici de que l'on s'occupe un petit peu de sa maison, d'accord, de son lieu de vie. On a besoin de mettre certaines choses en ordre. Comme je le dis souvent, quand on veut faire un changement dans notre vie, le premier endroit qu'il faut nettoyer, qu'il faut dépoussiérer, qu'il faut mettre les énergies correctement, c'est votre chez vous, dans votre foyer, d'accord. Et Padre Pio est connu pour être très proche des anges, car il avait cette incroyable capacité de converser avec les anges et de parler avec les anges gardiens des personnes qui venaient le voir. Et là, vous pouvez peut-être parler avec l'ange gardien qui veille sur votre maison, parce que dans chaque habitation, il y a ce qu'on appelle un esprit des lieux qui peut être un ange, un saint, une divinité, peu importe votre religion et votre tradition, mais on a toujours un esprit, on va dire, qui veille sur la maison. Donc, connectez-vous à cet esprit-là pour qu'il y ait des déblocages. Au niveau du travail, on voit ici qu'il y a des choses qui sont en attente, d'accord? Peut-être que vous attendez un renouvellement par rapport à un contrat, peut-être que vous attendez que l'on vous fasse signe par rapport à une augmentation ou un changement de poste. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous montre là, c'est que vous avez besoin de vous occuper de votre énergie, on va dire, du domicile. Alors, prenons les 9 cartes qui vont représenter le tirage. Et encore une fois, les amis, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui est contre votre conviction, contre vos croyances, n'hésitez pas à zapper, voilà, à ne pas le prendre en compte et de retenir juste ce qui semble faire écho en vous. C'est ce qui est très important avec ces tirages, hein. Alors, on voit ici que vous avez du mal à faire un plan d'attaque, d'accord? Vous avez du mal peut-être à décoller, peut-être
Vous avez du mal à trouver un rythme soutenu dans les changements que vous voulez faire dans votre vie. On voit ici que, il vous faudra des efforts, d'accord? Les choses commencent peut-être difficilement, c'est peut-être un peu compliqué, mais ce qui est montré ici, c'est que on a une possibilité d'aller vers un renouveau, mais tout cela ne se fait pas tout seul. Il y a besoin d'une action, d'une décision. Il y a besoin de secouer un petit peu le cocotier pour que les choses avancent. Avec la lune qui bénit ce fouet-là, mais quand même influencé par les nuages, c'est l'incertitude, c'est la peur de l'inconnu. Vous avez envie du changement, mais vous avez peur des répercussions, vous avez peur de l'avenir. Écoutez, ça fait partie de l'aventure. Et si vous avez Padre Pio avec vous et qu'il est avec ses anges pour vous soutenir, pour vous apporter son aide, il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas faire les changements et avancer vers la lumière. D'accord? Demandez-lui son aide. On voit aussi au niveau du travail que c'est quelque chose que vous avez envie de voir évoluer, envie de voir changer. Vous avez envie qu'il y a un apaisement, qu'il y a quelque chose qui s'améliore. J'ai l'impression qu'il y a une dégradation. Peut-être que c'est le moment de penser à une nouvelle carrière, un changement de poste pour certains, un changement d'orientation. On n'est pas obligé de prendre sa retraite dans un travail spécifique, d'accord? Si c'est en train de vous ruiner le moral, vous sapez le moral, vous ruinez la santé, ça ne sert à rien, d'accord? Parce que quand vous serez à la retraite, finalement, vous serez tellement usé que vous ne pourrez même pas profiter de cet argent, voilà, de ce que ça vous a apporté. Donc là, vraiment, on vous demande de faire un effort et d'aller vers des choses qui vous parlent au niveau professionnel. Sentimentalement, il y a de la méfiance. Je pense que vous avez été peut-être trompé. Peut-être que vous vous êtes trompé en jugeant une personne dans la façon où vous vous dites c'était une bonne personne et alors finalement que non. Ça a été une grosse déception. Ça a été, voilà, comment dire, canular, entre guillemets. Donc là, on vous demande de reprendre confiance en vous, de travailler avec vos anges, de travailler avec le divin pour apporter ces améliorations. Côté finance aussi, il y a des blocages. Moi, je vous conseillerais vraiment, si vous pouvez faire une neuvaine à Padre Pio comme vous l'avez choisi, et de mettre toutes ces intentions qu'on a vues là par rapport au travail, par rapport aux finances qui sont bloquées, par rapport aux peurs de l'avenir. Et on me montre même que peut-être vous-même, vous êtes le blocage, vous-même, vous empêchez peut-être, voyez, la lumière d'entrer, pas inconsciemment, je sais que vous ne faites pas les choses exprès, mais peut-être que le fait de ne pas choisir, le fait d'être dans l'inaction, le fait de ne pas prendre de décision, le fait de ne pas opérer le changement, et espérer un miracle qui tombe du ciel, ça vous bloque. Vous avez besoin, on a vu ici, le fouet, c'est la main de l'homme qui l'actionne, pas la main du divin. Donc, vous avez besoin ici de, comment dire, d'intervenir. Au niveau de votre santé, ça va. C'est le côté qui est positif, la forme, ça va. Vous arrivez à garder quand même la force et le courage, entre guillemets. Mais ce serait pas mal de. Vous voyez, même les guides spirituels sont d'accord avec moi qu'il faut travailler avec la lumière au niveau. Parce que, au fait, ce qui est montré pour vous, c'est que les choses ne se concrétisent pas. Peut-être que vous vous dites, ah, je prie beaucoup, je demande beaucoup, mais rien ne se concrétise. Est-ce que je suis maudit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer? Mais ça peut être justement vous-même, dans l'inaction, vous empêcher le changement d'entrée. Donc, ce qu'on me dit là pour vous, c'est qu'à la place de prier pour un miracle, pour que les choses se résorbent d'eux-mêmes, priez pour que vous ayez le discernement, que vous soyez accompagné dans ce changement. Et j'ai l'impression que le ciel veut que ce soit vous qui fassiez le changement, pas une autre personne, pas même pas Padre Pio, mais ils veulent travailler avec vous en collaboration, en co-création. Donc, n'attendez pas un miracle tout cuit qui tombe du ciel. Ça ne va pas arriver, il faudra, voilà, il faudra intervenir. Voyons voir avec le jeu de 32 de l'oracle ordinaire ce qui ressort encore pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Maintenant que vous avez compris un petit peu la marche à suivre, voyons voir quels seront les effets
comment va se passer les choses. Alors, ici, on a l'as de carreau et le 7 de trèfle. L'as de carreau représente la communication et le 7 de trèfle représente la pensée. D'accord? Tous deux sont debout. Donc, ça nous montre ici que, comme vous vous en doutez, vous allez recevoir bientôt des nouvelles. D'accord? Des nouvelles qui pourront être liées, certitude, confirmation, OK, qui peut être liées au travail, qui peut être liées à l'argent, à un changement de situation, mais ce que vous espérez arrive. 10 de carreau pour le consultant, un changement qui vous est propre, un changement qui vous concerne, vous directement, qui regardez cette vidéo. Ce changement a été longtemps bloqué, peut-être par l'incertitude, par vous-même, par vos doutes et par les tourments. Et là, maintenant, il est l'heure de remettre de l'ordre, la reine de pique. Donc, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, voyons voir. On va tirer les cartes. En tout cas, votre guidance, elle est vraiment, si vous suivez ce qu'on vous conseille, je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger pour vous. Mais il faut que vous fassiez aussi le travail de votre côté, bien sûr, les amis. Alors, le consultant se retrouve au milieu du jeu, montrant que vous êtes maître de la situation et que vous êtes capable de tout faire. D'accord? Ce qui vous manque, c'est peut-être un peu de travail, un peu d'acharnement. Vous avez besoin de mettre des choses, oui, c'est avec certitude qu'on vous le dit. Vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure. Vous avez besoin de travailler dans le côté positif des choses. Alors, on voit ici que vous êtes contrarié. Contrarié peut-être par une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être un enfant de la famille. Ça peut être une sœur, un frère plus jeune que vous. Ou un collègue qui vous tourmente, qui est plus jeune en âge. Mais voilà, on vous demande ici de mettre des barrières. Vous ne partez pas travailler pour vous faire des copines. Vous allez travailler pour toucher un salaire, pour pouvoir vivre, et vous voulez vivre de la meilleure façon possible. Donc, encore une fois, le roi de pique avec l'as de cœur qui représente le foyer, le roi de pique vous invite à mettre des barrières, à mettre le holà. Ça concerne surtout le côté travail. Et ne laissez pas les autres se sentir bien comme s'ils sont chez eux. D'accord? Faites ce qu'il y a à faire pour que les choses aillent bien pour vous. D'accord? Donc là, avec la carte du foyer, consultant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lié à la maison. On me montre aussi que pour ceux qui travaillent pour eux-mêmes, qui débutent, il y a des choses qui bougent pour vous. D'accord? Nous avons deux sets dans ce jeu. Et vous voyez, c'est écrit là. Les doutes. Il y a quand même pas mal de doutes dans votre tête. Ce qui est bien, c'est que vous avez le joker ou la carte bleue, comme on l'appelle, qui représente la lumière, qui représente un souhait que vous arrivez à obtenir. Mais vous avez compris que ce souhait n'arrive pas tant que vous ne faites pas le travail, tant que vous investissez pas là-dedans. D'accord? Et ça viendra, mais il faudra quand même bosser. D'accord? On termine votre tirage avec une petite guidance. Clôturé. Tu es le maître, tu es le seul maître de ton destin. Tu es le seul maître de ton destin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, vous avez toutes les cartes en main, vous avez le ciel à vos côtés. Maintenant, il vous faudra travailler, il vous faudra, voilà, faire les changements qui s'imposent. La team Padre Pio, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas à me poster un commentaire, j'adore recevoir vos retours. Ce n'est pas une vidéo à un sens, il y a un partage, il y a une communication. Donc, si je vous passe les messages, c'est bien quand même, voilà, que vous me disiez un petit peu. Et ça permet aussi aux autres de voir comment ça a marché pour vous. Vous n'êtes pas obligé de donner un détaillement, voilà, extraordinaire, mais quelques petits mots sur le retour de ce tirage. Si vous nous quittez, dommage, parce qu'il y a encore un autre tirage après cela avec Sainte-Thérèse. Et si vous continuez, ben, regardez, peut-être qu'il y a une partie du tirage à venir qui va vous parler. En tout cas, n'hésitez surtout pas, les amis, à profiter au maximum de cette vidéo. Partagez-la avec une copine, un ami, un collègue, quelqu'un que vous connaissez qui a un peu de problème actuellement et que peut-être que ça résonne pour lui ou pour elle. Et si vous désirez, si vous ressentez le besoin surtout, d'accord?
d'avoir une consultation privée avec moi, c'est possible. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Et voilà. On passe tout de suite maintenant au groupe qui ont choisi la petite Thérèse, Sainte-Thérèse. On va voir quel message elle a pour vous, les amis. Alors, pour vous qui avez choisi Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse est une sainte qui est très populaire en France, hein. Elle est bien aimée de beaucoup de personnes. On l'appelle aussi la petite fleur. Et il y a une belle prière que l'on dit à Sainte-Thérèse, comme elle tient un bouquet de roses. On lui dit, fais pleuvoir sur moi une pluie de roses. Ou quand par exemple vous avez une prière que vous faites par exemple pour le travail ou dans une difficulté, vous dites, Sainte-Thérèse, s'il te plaît, sur cette situation, fais pleuvoir des pétales de roses afin que je sois embaumée par la lumière divine et que les anges et tout ça m'accompagnent dans mon cheminement. Et la petite prière qui est sur cette carte, Sainte-Thérèse, petite fleur, s'il te plaît, cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la-moi avec un message d'amour. Demande à Dieu de m'accorder la faveur que je demande et dis-lui que je l'aimerai chaque jour de plus en plus. C'est une prière que je trouve qui est simple, mais qui est sincère. Qui est sincère. Parce qu'au fait, un saint, c'est quoi? C'est un lien entre le ciel et la terre. Et quand on a besoin de quelque chose, c'est bien d'avoir un ami haut placé qui peut nous aider, qui peut nous apporter, voilà, les lumières dont on a besoin. Et on va voir quel est le message que Sainte-Thérèse veut faire parvenir, veut vous faire parvenir. Let's go, les amis. Allez, si vous avez des questions, vous pouvez déjà poser. Comme là, par exemple, s'il y a une question qui vous est en tête, on vous demande ici de relâcher la culpabilité, d'accord? De vraiment faire ce qu'il y a à faire sans culpabilité. Je pense que vous êtes passé par des tragédies et que là, maintenant, ça s'est arrêté. Et on vous dit, voilà, arrête de t'en vouloir parce que tu as survécu, d'accord? Peut-être que dans une situation, vous avez été la seule personne épargnée, vous avez été protégée. Donc, il y a une raison pour ça. D'accord? Le ciel vous a protégé pour une raison, parce que vous êtes précieuse à ses yeux. Donc, on relâche la culpabilité. On a ici énergie féminine. Vous avez une énergie féminine qui vous entoure. D'accord? Et cette énergie féminine, elle peut être par exemple Sainte-Thérèse elle-même qui est à vos côtés. Elle peut être aussi la présence de la Vierge Marie, comme j'ai utilisé ici pour cette image, cette illustration. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on vous demande, les amis, de faire confiance à votre féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas notre part de féminité. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas notre part de sensibilité. On n'est plus dans les années 30, d'accord, où l'homme est macho, etc., n'a pas le droit de pleurer. Ici, on est humain. Et j'ai eu une conversation assez... comment dire, bouleversante, on va dire entre guillemets, avec quelqu'un hier, on parlait de la difficulté d'être un bon être humain. Vous voyez? Si là-haut, les saints et les anges pensent que être humain, enfin, les saints le savent parce qu'eux, ils ont été humains. Mais les autres qui n'ont jamais pris corps sur Terre, ils doivent savoir comment c'est compliqué d'être un bon être humain. Un bon être humain dans le sens où on aime son prochain, peu importe les problèmes, d'accord? Ou on se sacrifie par amour pour autrui, ou on doit savoir laisser la place parce que voilà, ce qui est là nous est plus destiné. Donc les relations humaines, les amis, sont les choses les plus complexes et les plus compliquées qui existent dans le monde. Parce que c'est ce qui déclenche les guerres, c'est ce qui déclenche la paix, c'est ce qui déclenche des bénédictions. Mais c'est ce qui déclenche aussi des malédictions. Donc, quand vous faites confiance à votre part d'énergie féminine, votre énergie intérieure, votre énergie, votre centre d'amour, on va dire entre guillemets, et que vous apprenez à ouvrir votre cœur à cette énergie, des miracles se produisent. D'accord? Donc là, on veut vous faire comprendre que ce n'est plus la peine de se sentir coupable par rapport à ce qui s'est peut-être passé dans le passé. Là, on vous demande de vous ouvrir au présent
pour pouvoir préparer l'avenir et bénéficier, voilà, d'un avenir lumineux et rempli de belles expériences. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous serez à l'abri de tous les problèmes du monde. Malheureusement, non, parce que quand on accepte de s'incarner sur Terre, on accepte, comment dire, l'habit ainsi que les obligations, ainsi que le contrat est fait de cette façon-là, qu'on doit tout assumer. Et donc, problème fait partie de la vie de tous les jours. Mais ce qui nous différencie, c'est notre capacité à solutionner, notre capacité à guérir aussi des épreuves et des difficultés que nous faisons face au quotidien. D'accord? Certaines personnes seront plus sensibles vis-à-vis d'une interaction particulière, alors que d'autres, ils vont passer dessus. D'accord? Et les autres qui jugent leurs semblables, moi, je veux tout simplement leur dire, et toi? Vous savez, quand quelqu'un qui est mal placé, vous avez toujours ces personnes qui sont surpoids, mais qui osent venir vous dire, voilà, tu devrais suivre ce régime-là, tu devrais faire ça, tu es encore grossi, etc. Alors que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Pourquoi prenez-vous ces paroles en compte? Pourquoi vous donnez à ces personnes-là de l'importance? Vous ne voyez pas que eux, dans leur vie, ils ne sont rien, entre guillemets, enfin pas rien, c'est méchant de dire ça, mais ils n'ont aucune joie, entre guillemets, à explorer. Donc, ils se fabriquent des fausses joies en critiquant les autres, en s'appuyant sur la faiblesse des autres. Vous voyez? Donc là, ce que l'on veut vous dire, les amis, c'est qu'il est temps pour vous, vraiment, il est temps pour vous de vous pardonner et de ne plus prendre la vie des autres qui vous a tellement, qui vous a tellement bouleversé depuis jeune. Depuis jeune, les choses vous ont bouleversé. Depuis le sein de votre maman, j'ai l'impression, il y a des choses qui se sont passées, qui ont marqué votre vie d'adulte, votre vie de femme. Voilà. Et vous avez aussi l'énergie masculine. Ah. Il vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous l'êtes. Donc, ce que je comprends avec ces cartes qui arrivent là, je ne les prends pas bien sûr dans la signification littérale, mais j'associe avec le contexte et mes ressentis, mes intuitions sont la base, sont le tapis, on va dire, où je pose les cartes. Et grâce à cette énergie, les cartes s'animent et elles illustrent, on va dire, entre guillemets, les énergies et les choses. On vous envoie beaucoup de signes du ciel, constamment. Et pour ça, vous devriez être reconnaissant, simplement pour ça. Parce que vous êtes aimé à quel point pour que l'on prenne le temps, la peine, l'énergie de vous envoyer sans cesse des signes qui sont des lettres d'amour de vos défunts, des lettres d'amour de vos ancêtres, des lettres d'amour de vos saints, de vos anges, de vos guides spirituels. Donc, prenez ça en compte, vous voyez, il y a quand même de belles énergies qui vous entourent. Alors, voyons voir quels sont les autres messages qui arrivent pour vous. Suis en train de faire tout tomber. Alors, quel est le message que l'on veut vous faire parvenir encore? Là, on a vu un peu la situation et les conseils. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'on a? On a chemin de lumière. Vous êtes actuellement sur la bonne voie de votre guérison. Vous êtes sur la bonne voie et vous ne faites pas ce chemin seul. Vous avez vos anges, vous avez vos guides qui sont avec vous, qui vous accompagnent. Les signes, comme je vous ai dit, sont là. On vous accompagne, on vous aide, on vous envoie beaucoup d'amour. Alors, acceptez cet amour. Et soyez reconnaissant. C'est un moment pour vous, une invitation à faire le point. On veut que vous fassiez le point sur votre vie, sur votre situation, sur les décisions que vous serez mené bientôt à prendre. Voyons voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est. On va déplacer les cartes, parce que si on met tout là, ça ne va pas le faire. Alors, let's go les amis. On a l'enfant, la lettre, de bonnes nouvelles font route vers vous. Ça concerne le travail, ça concerne le logement, ça concerne aussi les amours.
ainsi que la fin des difficultés. On vous dit, voilà, il y a quelque chose qui se termine ici pour pouvoir recommencer. D'accord? Donc, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et on va découvrir, bien sûr, avec notre tirage, de quoi il peut s'agir. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Quelles sont ces... Voilà. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à poser-les mentalement pendant le tirage et vous allez voir que magiquement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on fait confiance, les réponses viennent toujours à vous. OK? Alors, let's go. Nous avons le trèfle. Les synchronicités se mettent en place pour votre réussite, pour votre avancement. En tout cas, les guides spirituels veulent que vous décolliez. Et la prière pourrait être aussi un bon moyen de canaliser ses forces et ses énergies pour des, voyez, la prière, pour que les choses reprennent leur place. Alors, le ciel vous aide à couper les liens. Vous voyez, le sentimental est là. Il y a besoin, voilà, que l'on clôture certains chapitres de votre vie pour que vous puissiez avancer et aller plus loin. J'ai l'impression que vos relations amoureuses sont influencées par ce que vous avez vécu étant jeune. Donc, je ne connais pas trop votre histoire et si vous avez été victime de quelque chose, je suis vraiment navré et désolé parce que personne ne mérite de venir sur Terre avec déjà un fardeau, déjà des problèmes étant jeune. Les enfants ne méritent pas ça. Mais on me dit que c'est ce qui a participé à être ce qui vous êtes et peut-être que vous avez besoin maintenant d'ouvrir les yeux un petit peu sur les expériences passées. Et de vous préparer aussi pour, comment dire, pour quelque chose de neuf et de nouveau. Mais on vous dit, voilà, le passé doit être clôturé pour que vous puissiez avancer et voir la lumière. D'accord? Alors, voyons voir ce qu'il en est. Ici, je vois une nouvelle relation amoureuse qui arrive pour certains. D'accord? Au niveau du professionnel, des décisions importantes. Je vois aussi des promotions pour certaines personnes. Concernant les finances, il faut faire attention parce que ce n'est pas encore le bon moment là. L'argent arrive, mais c'est encore loin. Mais vous avez des dépenses, des dettes, des choses que vous devez régler pour le moment. On vous dit d'être méfiant aussi et de ne pas parler de vos projets. Laissez vos projets secrets pour le moment. Au niveau de la forme, migraines, rhinopharyngite, des choses comme ça peuvent vous affecter actuellement, mais ça montre qu'il n'y a rien de méchant. Il y a des changements. Si vous devez faire des démarches par rapport à un logement, je vous conseillerais, les amis, de brûler de l'encens pour demander à ce que la chance et les énergies négatives puissent en aller, que la chance et la prospérité puissent entrer. Je vous sens épuisé, enfin l'énergie de votre maison est un petit peu épuisée, c'est un peu lourd, donc de l'encens pourrait être un bon moyen de uplift, d'augmenter la vibration de votre chez vous, et voilà, et vous permettre de vous sentir bien. On prend maintenant le jeu de 32, on continue notre exploration et on transmet les messages de vos guides et tout ça. Encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment de le poser. Et en réponse, vous avez le 7 de carreau qui vous dit que c'est en projet, c'est en construction. C'est peut-être une surprise aussi qui arrive ou quelque chose que vous faites aussi sur un coup de tête. Ça peut parler aussi de la colère. Donc, interprétez d'après votre situation, les amis. Parce qu'une carte peut avoir plusieurs nuances dépendant de la personne. Alors, avec certitude, vous allez rencontrer une femme. Ça peut être une rivale, ça peut être aussi une personne qui vous aide dans le travail ou dans les affaires, ça peut être votre patronne. On voit ici qu'il y a un blocage au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'harmonie, on va dire, entre guillemets, de la maison. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce serait quand même pas mal de voir un petit coup nettoyage énergétique et les encens pourraient être un moyen puissant et simple, mais très efficace d'attirer vers, de bannir déjà, parce que les encens, c'est à double sens. Ça
déverrouille et ça verrouille. Donc ça veut dire qu'on bannit d'abord les énergies négatives, on fait le dégagement et on remplace par de bonnes énergies. Et le travail de l'encens, c'est ça. Alors, le travail, l'activité professionnelle arrive au centre du jeu. On vous dit que vous allez recevoir très bientôt des nouvelles assez bonnes concernant votre travail. Ça peut être aussi que vous avez demandé quelque chose, une augmentation, une promotion, un changement d'horaire, etc., un aménagement. Et c'était en conseil, on pensait dessus. Et là, du coup, il y a la réalisation de cela. On a le succès avec le 10 de trèfle et trois cartes d'argent. C'est quand même pas mal. Alors, le 7 de pique vient certifier votre situation avec le consultant ou la consultante, donc avec vous-même. Le 10 de cœur revient alors qu'il était en coupe. Et on vous dit que les choses se précisent pour vous. Il y a une confirmation par rapport à votre situation. Quelque chose d'officiel arrive ici sous retard. Ça devait arriver avant, mais ça arrive un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a ici quand même des doutes qui vous tourmentent. Avec 2-10, on a un changement qui se fait ici. D'accord? Qui se fait ici. Et on a un 7, 8, 9, 10, une petite tierce. Donc, c'est quand même pas mal. Ça annonce quand même de bonnes énergies autour de vous. Et que la positivité aussi est quelque chose d'important. N'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à l'encens. Vous pouvez en trouver sur mon site internet alexandremosruck.com. Je propose des encens qui sont radicaux et qui sont parfaits, qui sont trop bons, que vous ne trouverez pas dans votre supermarché. Mais voilà, c'est vraiment destiné aux intentions. Voyons voir quel message pour terminer aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on a? Projette cette pensée afin qu'elle devienne réalité. Donc, on a vu ici avec le 7 de trèfle que vous pensiez à quelque chose. Et on vous demande de projeter cette pensée afin qu'elle devienne réalité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire une visualisation, travailler sur une visualisation pour que, voilà, vous puissiez pour que vous puissiez donner forme et vie à cette situation. Et on vous dit qu'il y a certains projets qui sont vôtres, qui sont en cours. Et voilà, et c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, les amis, c'était votre tirage pour ces trois choix d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné de quoi réfléchir et voilà, que ça vous a donné des lumières surtout. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Venez faire partie de cette famille spirituelle, bienveillante, lumineuse, de bonne humeur. Et bien sûr, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, avec toute ma bienveillance. Et voilà. Je vous embrasse tous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.